quelqu'un avec l'âge. Ouais. Ben, le bonsoir encore. Je vais vous parler de la programmation réactive et nos efforts récents sur réécrire notre orchestrateur, un composant qu'on a avec la programmation réactive. On s'est déjà présenté. Gilles m'a pas mal aidé sur préparer cette présentation et d'autres gens dans l'équipe aussi. Encore, la présentation de l'effuret, c'était fait. Ce qui était important à retenir peut-être, c'était pour vous afficher cette page, on appelle des web services des assureurs pendant que vous attendez qu'ils répondent, et puis on vous affiche un résumé de leur prix. Donc, en termes de techno, comme je vous disais, notre code base, ça date d'il y a 9-10 ans. Donc, on travaille avec du legacy. On tourne encore sur Tomcat avec Blocking.io. On est loin d'être réactif là-dessus. Et puis, notre échange serveur et client sont faits sur des servlets. Comme je vous disais, on n'est pas au point de la technologie là-dessus, mais ça marche très bien. Très bien. Il rigole. On s'est dit, on va surfer le hype de Reactive et puis voir qu'est-ce que ça donne. Je vous présente un peu le composant qu'on a choisi pour appliquer le pattern. Le composant, il se trouve dans pas mal de code base. C'est une pattern scatter-getter qu'ils appellent. En fonction de la requête, on crée des sous-requêtes qui va aller taper sur des web services. Et après, on va rassembler tout ça et présenter à l'utilisateur. Ce qu'il a à retenir ici, ce qui est important, chacun des web services, ils ont souvent des modèles différents. On fait du mapping de modèles in et out et autour le web service, la part de web service. C'est assez simple le diagramme de séquence. Là-dessus, on reçoit l'orchestrateur, il reçoit une requête, il est dispatché à trois autres assureurs et puis on rassemble les résultats, on remonte à l'utilisateur. Ça se complique un peu plus quand on reçoit deux requêtes en même temps. Cette slide, il n'y a pas à suivre, c'est déjà compliqué dans deux requêtes. Ce qui est important à voir, la requête qui a commencé en premier, il finit pas en premier. C'est la nature des choses. On ne sait pas quand les appels de web service sont retournés, même si on les pose avec les timeouts. On fait de l'informatique distribuée, on fait des appels web service par réseau. Donc, on subit toutes les illusions qu'on peut avoir, comme quoi le réseau n'est pas fiable, les web services qu'on appelle, ils ne sont pas fiables. Des fois, ils coupent carrément leur web service. Les appels, ils faillent beaucoup, même si on les suit de très près, d'une façon fonctionnelle. Donc, on sait quel est le taux de l'exclusion, quel est le taux qu'il time over, quelles sont les erreurs fonctionnelles de notre côté et peut-être de leur côté. On ne peut pas s'empêcher d'avoir des cas comme ça où l'orchestrateur, il reçoit des appels, l'appel de web service, il retourne, alors qu'on a déjà franchi le limite de time over qu'on a posé pour l'expérience utilisateur simplement. Quand les web services ne répondent pas d'un assureur, Gilles, qui utilise le Slack de très près, il dit il faut qu'on coupe cet assureur parce qu'on fait des appels pour rien. On est assez réactif là-dessus. Comment ? Une heure et demie de réactif. Ouais. On est assez réactif là-dessus, comme vous voyez. En plus, troisièmement, il y a l'aspect
Le code qui fait tout ça, ça c'est qu'une portion, encore il a inliné pas mal de méthodes. Il est assez illisible en fait. Si vous voulez le reconnaître, il y a la partie où on crée les runnables, je pense que vous connaissez un peu les concepts. Après, on les exécute sur des pools de trades et après, on a une appel bloquant qui attend simplement qu'il retourne avec les timeouts. Et autour, il y a un peu de monitoring et puis le log des retours. Et tout ça, du coup, cette composant, comment ça va réagir? On va avoir 3 requêtes, 4 requêtes, 5 requêtes en même temps. Notre débit, c'est pas tout à fait ça maintenant, mais si on a un jour ça, comment on va scaler ce composant? Donc là, sur cette image, si on imaginait que notre pool de trade par backend, donc par endpoint de web service, c'était 2, ben, la troisième qui fait pendant que toutes les trades ils étaient occupés à faire des appels, ben, surtout entendre le retour des appels, ben, la troisième, il peut pas rentrer. Donc si on voulait traiter 3 appels, 4 appels, 5 appels en même temps, comment on fait? Et surtout, c'est un vrai problème parce que on a ce bout de code dans notre code base avec un Z et puis on reçoit pas mal de cette exception et on est en train de creuser là-dessus comment on peut ne pas avoir du coup. Donc c'est un vrai problème. Si on résume tous les problèmes que je vous ai cités, on a besoin de passer à l'échelle. Si on met plus de ressources, plus de threads, plus de machines, est-ce qu'on va avoir plus de performance? Il faut qu'on gère la partie résilience des appels web service, toute la partie est-ce que le web service qu'on appelle va respecter nos SLA, et s'il respecte pas, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a la partie, on veut quand même maintenir ce code, faire évoluer plus facilement. Ça touche pas mal la partie, le deuxième point, qui est comment j'ajoute des stratégies de résilience sur ce bout de code, qui est déjà pas très facile à maintenir. Quand on veut passer à l'échelle, quand on parle de la résilience, on parle de l'exécution asynchrone. Souvent. Pourquoi? Parce que la synchronicité, il nous permet de passer à l'échelle, de distribuer l'exécution en plusieurs endroits. Et puis, si un de ces exécutions foire, s'il y a une erreur, ça cloisonne l'erreur là-bas, ça isole l'erreur. Donc, ça nous permet de garder une résilience. Par contre, de coder asynchrone, c'est assez difficile. Je ne sais pas si vous connaissez, qui a lu le bouquin? Cool. Moi, je n'ai pas entièrement lu. Donc, mais je sais qu'on a effectivement ces problèmes. Je ne sais pas si on a le temps de passer de tout. Mais la gestion de pool de trade, c'est effectivement important. Mais le deuxième point, gestion d'accès à l'état partagé, c'est très très important. Au niveau composabilité des actions qu'on fait à des différents web services, c'est assez pénible à faire ces actions en sachant que chacune des actions peut avoir des erreurs. Et le dernier point que j'ai marqué, c'est ça va venir tout de suite. Dans l'informatique, qu'est-ce qu'on fait quand on a des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre? On change d'abstraction, simplement, ou bien on arrête l'informatique. On change d'abstraction pour dire, d'accord, comment je peux m'approcher à un domaine de problème. Sur Java, classiquement, qu'est-ce qu'on fait? Pour une pool de ressources, on représente ça par des thread pool factory ou bien executor service. Et puis on a des queues de messages pour le buffering des requêtes. Si on revoit ça, pour faire passer ce code bloquant en asynchrone, en utilisant l'exécuteur service, on a à peu près ça qui devrait fonctionner.
Donc, si on fait une get sur leflux.com, effectivement, ce tuple peut avoir une erreur, donc on gère l'exception. Et puis, l'appel, on attend que ça la tourne. Donc, si on était sur une exécution de trade principale, il faut qu'on attend pour pouvoir renvoyer cette réponse. Le deuxième pattern que je voulais vous parler, c'était que des messages. Donc, c'est utilisé principalement pour gérer une pool de trades, une pool de ressources, pour contrôler les entrées à notre pool de l'exécution, à notre pool de trade. L'existence d'un queue de message, ça nous aide à gérer les différences entre le rate de requête qu'on reçoit. Donc, si on a des pics, le buffer, il va nous aider à stocker pour un certain temps l'exécution qu'on n'arrive pas à traiter à ce moment-là. Par contre, qu'est-ce qu'on fait si on n'arrive jamais à rattraper le throughput, les requêtes qu'on reçoit? On a le buffer qui gonfle, et puis Java, il dit, j'ai pas assez de mémoire. Donc, si on résume tout ça, les queues de messages, ça a quand même quelques intérêts parce que ça nous permet de gérer un peu le throughput, le changement dans le rate de messages. Et on peut composer des queues de messages l'un après l'autre. On peut faire une espèce de composition. Notre solution, c'est justement ce que je voulais parler aujourd'hui, c'était la programmation réactive. Donc, il compose un peu l'idée on va faire de l'asynchrone, on va réagir à des événements, mais on veut le faire d'une façon que j'enchaîne des transformations à ces événements jusqu'à ce que j'ai quelque chose que je peux travailler avec. Et tout ça de façon déclarative. J'ai mis ça en crochet parce qu'il y a certaines implémentations qui n'appliquent pas ça, qui sont encore réactives parce que on va voir ça tout de suite. Il réagit quand même à des éléments, les données qui sont produites de façon asynchrone. Ce qu'il faut dire ici, c'est que, bien sûr, il y a toute la partie réactive manifesto, etc. Mais quand on parle de la programmation réactive, ce n'est pas tout à fait la même chose que les systèmes réactifs. Quand on parle des systèmes réactifs, c'est une pattern de design architectural où on décompose nos modules, les composants de notre système dans des machines séparées et puis on fait vivre le système en faisant attention à au passage à l'échelle. Donc, le Reactive Manifesto, il cite certains principes pour pouvoir permettre ça. Mais quand même, il y a une forte liaison parce que les systèmes réactifs ils utilisent souvent des paradigmes de programmation réactive. Quand on parle de la programmation réactive, on a des abstractions réactives aussi. On a les event loops, les promises ou bien les futures qu'on avait en Java. Et puis finalement, le reactive stream qui va nous intéresser un peu plus. Event loop, peut-être que vous connaissez si vous avez écrit en Node.js ou bien les frameworks récents en Java ou bien dans plein de langages JVM. Il reprend un peu l'idée que je vous avais expliqué en message queue. Donc, on a une queue de message qui est feedée à une pool de trade. Sauf que ce pool de trade n'est pas une pool de trade maintenant, c'est une queue seule trade. Qui fait que des appels qui est appelé que par le framework qui sait faire de non-blocking IO, NIO. Donc, l'intérêt, c'est qu'on n'a plus à gérer l'accès à un état partagé parce que l'état est simplement... Enfin, il n'y a qu'une seule thread.
Donc, toutes les accès aux états, ça passe par le framework. Quand on code dans ça, vous avez des callbacks. Vous réagissez, c'est le framework qui vous appelle, vous réagissez à des callbacks. Je pense que ce portion de code, il doit être pris de Vertex, je ne sais pas si vous connaissez. Ça arrive assez souvent d'écrire ce genre de code si vous écrivez un Vertex. Sauf que si vous faites une, deux, trois appels comme ça, imbriqués, ça devient assez illisible. Effectivement, sur Vertex, vous êtes obligé de faire ça. Il y a d'autres constructs pour gérer ça. Disons, pour Node.js, ça va être assez pénible d'écrire ce genre de code. Après, sur Java, je pense que les computer features, c'était 7 ou 8, je ne me souviens plus. Il y aurait certainement d'autres qui auraient connu l'entrée en JVM. Mais l'idée est simple, on va composer les actions asynchrones. C'était aussi codé avec des promises. Il y a toute la littérature sur les monades et puis les fonctions. Mais bref, pour quelqu'un qui veut coder, encore on englobe une portion de code asynchrone. On peut assigner une pool de threads qui est sympa parce que je veux quand même dire que d'accord, ce bout de code bloquant, je veux gérer le pool de threads que je veux assigner. On dit d'accord, une fois qu'on reçoit la réponse, on peut appliquer une autre fonction recevoir le résultat. On peut enchaîner ce genre de l'action. J'ai donné l'exemple de denApply, mais il y a aussi denApply async qui réutilise une autre pool de threads si vous voulez. Pour refaire une appel asynchrone. Donc l'enchaînement asynchrone, ça augmente la composabilité, la lecture de code, c'est assez facile. Par contre, de gérer l'erreur, donc faire propager l'erreur, ça devient assez difficile dans certains cas. Parce que là-dessus, on a retourné l'erreur qu'on va après appliquer à un deuxième. Le deuxième, il ne sert à rien qu'on fait ça, en fait. Si on avait déjà l'erreur en premier appel. Si on résume tout ça, avec les computer features ou bien les promises ou bien les features dans composables, on a gagné en termes de composabilité. C'est quand même plus facile d'écrire du code avec le code asynchrone avec les computer features. Les event loops, ils ont des avantages. C'est quand même sympa d'écrire du code avec une NIO parce que votre thread il est bloqué beaucoup moins en fait. Et souvent vous êtes plus performant. Ça nous laisse le troisième point, les streams réactives. Gilles, il a parlé un peu des streams aussi. Si on résume, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ne sont pas des collections. Quand on parle d'une liste ou bien une set, c'est une groupe d'éléments qui représentent des données, alors que les streams, ils représentent une action qu'on fait sur ce groupe d'éléments. Quand on définit un stream, c'est pour ça qu'on appelle lazy, parce qu'à la fin, jusqu'à ce qu'on ne collecte rien, on est en train de définir les actions qu'on est en train de faire. Un stream, on peut le créer à partir de n'importe quelle source et puis ils sont non bornés, donc un stream infini, c'est même possible en JavaVite et avec peu d'intérêt. Comment on code avec des streams JavaVite, souvent on applique des patterns map filter et puis on groupe on réduit nos résultats pour avoir quelque chose qu'on veut. L'avantage d'écrire dans ce mode de ces patterns en stream, c'est que ça nous pousse un peu légèrement vers une programmation fonctionnelle qui est importante surtout sur l'exécution asynchrone parce que il n'y a plus de data partagée.
Donc, si on passe que des objets immutables de nos fonctions, on ne gère plus un état partagé, du coup, on peut passer en asynchrone plus facilement. Donc, Reactive Streams, ça met ensemble ces deux concepts. Donc, les streams qui sont un flot de transformation déclarative et les éléments asynchrones qu'on vient de voir un peu dans les event loops ou bien toutes les frameworks non-blocking I.O. Et un troisième point qui est assez étrange, qui est back pressure non-bloquant. Et c'est quoi ce back pressure? Je vous avais parlé des queues de messages qui fait du buffering pour récupérer si on est lent à traiter les tâches, les requêtes. Back pressure, il formalise ça, il représente ça comme un problème et comment on traite, c'est que la partie qui reçoit les réponses, il dit, fonctionne en termes de je demande quelque chose et après je reçois une requête. Ce qui rajoute pas mal de propriétés pour gérer ce buffering qu'on peut avoir et on peut le borner plus facilement. Donc si notre traitement il dure un peu plus longtemps et je peux quand même compenser que je vais garder 100 éléments, 100 requêtes en mémoire. Je peux dire à mon front-end de ne plus envoyer de requêtes parce que quand je suis saturé au niveau buffering. Donc en utilisant ce concept, les Reactive Streams, il permet à écrire ce genre de pattern. Donc on a une source d'événements qui est passée à un autre transformateur. Qui est simplement une subscriber et un publisher qui fait peut-être une fonction, qui applique une fonction qu'on a parlé, map dans les streams, qui repasse ça à une autre fonction qui fait peut-être du filtering et après à la fin on a une subscriber qui traite le résultat de cette flow de transformation. Donc à chaque étape, ce qui est assez intéressant avec l'application de la notion de back pressure, c'est que quand on a envie de consommer, quand on a des ressources à traiter, donc quand nos trades ils sont disponibles, on peut pouler, donc on peut faire des requêtes vers le upstream, vers le haut, pour dire donne-moi un peu plus de choses à traiter, de requêtes à traiter. Les interfaces de les streams réactives, ils sont disponibles maintenant sur Java 9, sauf que le Java 9 n'est pas disponible. par contre, les gens qui ont travaillé là-dessus, ils ont fait un projet pour rendre compatibles toutes les frameworks qui implémentent ce pattern. Qui implémente le Reactive Stream. Donc, dès aujourd'hui, vous pouvez utiliser différents frameworks qui appliquent ce pattern en même temps parce qu'ils utilisent les mêmes interfaces. Et quand Java 9 il va être sorti, ce class qui est un peu bizarre parce que toutes ces interfaces ils se trouvent dans le class flow de Java Util Concurrent. Ils vont aussi implémenter les exactes mêmes interfaces et puis on va pouvoir utiliser ces concepts plus facilement. Sur Java 9, c'est à peu près que les interfaces. Il y a tout petit peu de l'implémentation pour créer des publishers avec une backend de thread. Et peut-être un transformateur, donc une même classe qui implémente le subscriber et publisher pour faire les transformations de base et tout ce système, toutes les différents frameworks qui implémentent ça, ils implémentent à peu près les mêmes concepts. Nous, aujourd'hui, il y a beaucoup plus que ça comme exemple. Peut-être il y a une autre framework de Owl qui était assez intéressant.
C'est un autre, enfin, je me souviens pas les autres. Peut-être il y a un cyclone qui est assez intéressant à voir. Mais aujourd'hui, on va regarder un peu plus à Elixir Java, qui date un peu plus longtemps que les concepts de Reactive Stream. Donc, Elixir Java, il reprend un peu les concepts que je vous avais parlé, donc les éléments, une transformation de, une flow de transformation de données, et après, comment on gère toute cette exécution en assignant à nos ressources de trade. Donc, ces trois concepts, ils sont représentés comme observables des opérateurs et puis scheduling. Une observable, c'est quoi? C'est un peu comme une completable feature au final. Il représente un événement, une suite d'événements qui est appelée un après l'autre, un après l'autre. À la fin, il y a toujours une fin. Peut-re ça va retourner une erreur. En tout cas, complétion et erreur sont des éléments terminaux d'un observable. On peut créer des observables de différentes façons. Le defer, qui est un peu plus différent que les autres, il permet à reporter l'exécution de ce petit lambda au moment où on souscrit à un événement. Ou bien on peut simplement faire quatre éléments et une terminale et créer une suite d'événements comme ça. Ce qui devient plus intéressant, c'est que une fois qu'on a ces éléments, on peut appliquer les opérations de stream là-dessus. Sauf qu'à la fin, quand je vais récupérer tout ça, je ne vais pas faire une collecte ou bien une for each, mais je vais faire une subscribe pour traiter chacun de résultats de cette transformation. Donc, cela, il va prendre tous les éléments dans une collection. Il va les passer d'abord pour faire une cote, comme on fait chez les furets. Et après, il va voir s'il y a une erreur encapsulée dans son résultat. Et s'il n'y a pas, il va simplement écrire sur la console. Si c'était qu'en exécution synchrone, il y avait peu d'intérêt. Donc, de base, si on n'utilise rien comme scheduling, vos observables, ils produisent des éléments de façon synchrone et toutes ces exécutions que vous déclarez sont exécutées en synchrone. Au-dessus de ça, donc, Elixir Java, il permet d'assigner des... ce qu'ils appellent des schedulers, c'est un objet qui encapsule une pool de threads au final en Java, qui traite vos transformations, vos fonctions, donc qui prend en charge, il alloue un thread et puis il exécute la transformation, il donne la prochaine. Vous pouvez faire des choses assez sympas, la composabilité des queues de messages que vous parlez, vous avez en 4-5 lignes ici. C'est pas très évident de comprendre comment fonctionnent ces deux opérateurs. En gros, subscribe on, il permet d'allouer un thread dans un pool quand on veut créer un événement. Donc, à la création d'événements, ça va commencer avec ce thread qui va traiter l'événement. Et après, quand on veut changer à une autre pool de thread et allouer cette exécution à ça, on fait simplement une observable et qui va être active pour toute la descendance d'un stream. Donc, quand le subscribe, dans ce cas-là, va être appelé, il va être appelé avec un des threads de notre exécuteur service. Tout ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet, avec la notion de back pressure, de gérer les changements dans le throughput, au moins avoir une espèce de stratégie pour comment gérer ça. Surtout sur Elixir Java, l'aspect gestion d'erreur est assez intéressant parce que toutes les appels de ces fonctions, ils sont gérés dans un try-catch.
Et à la fin, vous pouvez dire à Elixir Java de, s'il y a une erreur, renvoie-moi plutôt ça comme événement. Donc, ça peut avoir des scénarios, enfin, ça vous permet de décrire des scénarios assez sympas pour dire, si jamais il y a une erreur, quand même, fais une action de récupération, ainsi de suite. Je vous ai montré que c'était composable comme les streams sont composables. Du même façon que les streams, ils ne gèrent pas un état. Si vous écrivez du fonctionnel, vous n'êtes pas censé d'utiliser un état partagé. Des fois, ce n'est pas le cas, mais on va oublier ça. Si on reprend notre code orchestrateur, c'était comme ça. Donc, toute la partie exécutable, donc le runnable qu'on exécute, il faisait tout le boulot de mapping in, l'appel de web service, le mapping out. Et autour, c'était un appel bloquant qui rassemblait tout ça, et puis on gérait l'aspect de timeout sur un pool de threads. Et plus spécifiquement, ce qu'on fait, on alloue un pool de threads par endpoint, donc par assureur qu'on veut attaquer. Si on avait écrit donc ce même bout de code avec un peu de changement parce que j'ai changé un peu, j'ai créé un modèle exemple qui représente la cotation, donc la tarification, avec des streams parallèles. Les streams parallèles de base, il ne permet pas d'allouer un pool de threads. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est de créer une fork join pool et exécuter votre stream parallèle là-dessus. Sinon, ça va s'exécuter dans un pool common qui est, je pense que le nombre de processeurs plus 1 ou bien moins 1, quelque chose comme ça. Donc à la fin, ce qui nous retourne, c'est une fork join task qui est un type de future, je pense. Donc vous pouvez faire une get bloquant comme on faisait dans le computable feature au final. On a écrit quand même des streams, mais toute cette exécution, il est fait en une seule fois. On ne peut pas les découpler différentes exécutions avec des différentes pools de threads. Ça devient déjà un peu plus lisible, je trouve. Pour cet exemple, je crée 10 demandes et puis je les transforme en requêtes. Et puis pour chacun des fournisseurs, donc les assureurs pour notre cas, on sollicite une tarification et puis on rassemble tout ça à la fin de stream. Ce qui est plus intéressant à voir, c'est les computable features, surtout en Java 9. Parce que non seulement on peut composer des appels comme ça, donc partant d'un appel asynchrone, faire une transformation avec une fonction, et après dire que tout ce bloc, il a un timeout. L'aspect timeout, c'est assez important parce que, comme on avait vu au début de la présentation, c'est un des types d'erreurs qu'on a envie de gérer parce que sinon nos pools de threads ils vont exploser. Si on prend ça et on applique sur tous les fournisseurs, ça donne à peu près ça. Encore, je l'ai encapsulé autour des streams, ce qui me retourne, c'est une liste de computable features qui retourne des cotes, des tarifications. Et pour pouvoir assembler tout ça d'une façon synchrone, les completable features, ils ont une fonction de merge, entre guillemets, qui permet d'assembler une collection de completable features à une completable feature qui retourne une liste d'objets, une liste de résultats. Ce qui fait le boulot, je pense que c'est le join. Qui attend toutes qui crée, qui nous retourne une completable feature, qui attend toutes les réponses des futures englobants. Contenant. Si on reprend le Elixir Java, ce qu'on a,
C'est déjà un peu mieux parce que on parle d'un request qui est un événement. Notre événement, il est représenté par une demande de tarification. Sur ça, je l'applique une fonction qui map ça à une modèle d'un fournisseur. Et puis après, on applique ça, on appelle le web service pour faire la tarification. Le résultat, je le remappe encore en utilisant le même fournisseur. Et tout ce bloc, il est censé d'avoir un timeout que moi je gère parce qu'à la fin, si l'assureur il ne répond pas, on va rejeter l'exécution. Et je veux que tout ça s'exécute sur un pool de trades que moi, j'ai défini. C'est le dernier subscribe on qu'on fait. Et ce qui nous retourne à la fin, c'est notre observable. Donc ça, c'est assez intéressant parce que après, je peux le combiner. Je peux dire, pour tous les fournisseurs que j'ai, je vais flat mapper l'opération que j'ai fait. Si vous remarquez, la fonction précédente, c'est justement englobé par mon fonction qui fait des cotes à toutes les assureurs, à tous les fournisseurs. Et ce qui est assez tricky dans cet exemple, c'est le to list et to observable. Donc to list, c'est un peu l'équivalent de join de ce qu'on avait vu dans computable feature. Et to observable, qui retourne un équivalent de computable feature qui s'appelle single dans Elixir Java. Encore de reprendre ça en observable, on fait une to observable tout ça on le prend de façon bloquant parce que on est encore en IO bloquant. La notion de back pressure que je vous ai parlé, il est introduit dans Elixir Java 1 aussi et il est implémenté sur les observables. Et avec ce projet Reactive Stream qui fait fonctionner différentes implémentations de programmation réactive ensemble, ils ont réécrit une partie du code en introduisant le concept flowable, qui est exactement la même chose que observable, sauf qu'il gère la notion de back pressure. Donc, sur chacune des opérations, on peut citer les stratégies de back pressure, donc stratégie de comment on gère notre queue de message, notre buffering. Sur cet exemple, il reprend un peu le même que vous avez vu pour des observables, sauf que pour l'instant, on a défini une zone de buffer à notre entrée. Donc, c'est là que nos éléments, ils viennent. Vous pouvez assez facilement suivre comment les éléments, ils enchaînent jusqu'à la fin. Le on back pressure buffer, il fait, je garde qu'une seule requête en buffer. Et puis, toutes les autres qui viennent, si mon buffer il est rempli, je les rejette. De mon expérience, ce qui a été assez difficile pour écrire ce genre de truc, c'était de deviner que juste avant que j'applique un back pressure, une stratégie de buffering, il faut qu'on fait quand même un appel à une observon. Donc, je veux que avant d'appliquer une stratégie de back pressure. Il faut que je dise, d'accord, avant de l'entrer sur cet exécuteur service, applique-moi ce queue de message, stratégie de gestion de back pressure. Donc après, pour assembler tout ça, donc jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait, c'était un ensemble de requêtes qu'on connaissait dès le début. Donc je créais 10 requêtes que j'encapsulais dans un objet de requêtes et après je les ai traitées comme des éléments. Les vrais éléments, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça parce qu'ils arrivent dans une fréquence qu'on ne gère pas. Elixir Java, il permet de créer ce genre de scénario avec l'opérateur intervalle
qui chope un trade et qui nous appelle, qui crée un événement. Donc quand on enchaîne ça, cet exemple c'est assez intéressant parce que on a notre intervalle qui nous crée des requêtes avec une fréquence. Et après, on enchaîne ça en disant, moi, je veux traiter tout ça avec mon processeur, qui est défini là-haut, et sur lequel j'ai appliqué toutes les opérations. Donc, les opérations, c'était quoi? C'est, encore, j'ai appliqué une zone de buffer de 100. Et après, j'ai fait mon exemple que je vous ai montré. Donc, pour une requête, d'appeler toutes les des fournisseurs et rassembler tous les résultats à la fin. Donc, vu que c'est tout événementiel, je ne peux pas faire une blocking get dessus. Ce que je fais, j'attends pour un certain temps et puis voir qu'est-ce qui m'a récupéré comme réponse. Donc, si dans notre cas, d'appliquer ce genre de paramètres, de développement, ça va être assez tricky parce qu'à un moment donné, on va bloquer l'appel et dire d'accord, j'ai reçu tout ça, bah, je vais proposer ça à l'utilisateur. D'avoir la notion de déjà des transformations qui peuvent être attribuables à une pool de trade, c'est assez intéressant dans XJava. Mais aussi avec les notions de back pressure, de dire d'accord, moi j'ai envie de gérer un buffer de 10 et pas plus, et toutes les autres appels, j'ai envie de les rejeter. Ça, bien sûr, vous pouvez l'écrire avec des queues de messages, des blocking linked queue, ouais, blocking queue, en utilisant ce genre de primitifs de Java, mais ça va être assez compliqué à écrire. Et surtout, d'écrire ça de façon asynchrone, c'est encore plus difficile. Donc, LXJava, avec surtout le 2, avec le Flowable, il permet à gérer ce genre de scénario. Après, on peut décider à dire, est-ce qu'on veut appliquer déjà une pool de trade par toutes mes exécutions de toutes mes appels de web service, ou bien est-ce qu'on cloisonne ça comme on faisait avant, et est-ce que ça va me faire gagner quelque chose, est-ce que ça va me retirer mon exécution, exception de trade pool busy, parce que peut-être que je gère un même nombre de trades mais qui sont répartis différemment. Et une autre question qui se pose juste après, c'est que est-ce que je peux facilement appliquer cette notion de back pressure pour déjà bloquer les assureurs, donc les web services qui répondent très tard ou bien qui fail, pour ne pas utiliser des ressources qui sont assez précieuses pour moi, pour mes autres exécutions que je peux faire. Une troisième point que je voulais vous parler, c'est tout l'aspect, on n'a parlé que de la tarification, alors que les web services qu'on utilise, comme Gilles vous expliquait, ils sont utilisés aussi pour acheter de l'assurance. Effectivement, un appel d'achat, c'est bien plus important qu'un appel de tarification parce que ça nous fait gagner de l'argent. Est-ce qu'on peut, en utilisant ces concepts, est-ce qu'on peut utiliser ce genre de scénario pour appliquer à notre stratégie de gestion de SLA, gestion des appels de web service. On n'est pas encore là. Si c'était le cas, ça aurait été trop facile en fait. on a fait des essais avec des bench. C'est en cours. On veut passer une bout de code de l'orchestrateur à ça et faire des tests là-dessus, surtout des tests de charge. En écrivant tout ça en LXJava et les Complete Features, etc., on a appris pas mal de choses. Ce que je vous avais parlé, c'était le fait qu'il y ait configuré cette notion de back pressure, c'était assez compliqué. Il y a toute une partie de la composition de différents, entre guillemets, streams, donc entre guillemets, observables,
qui se fait encore avec des opérateurs de marge, de zip, etc. Donc qui prend des éléments, qui les assemble avec une certaine logique. Et, ces notions dans Elixirva, je ne pense pas qu'on va s'en servir, mais sur d'autres cas, genre, je sais que les développeurs Android, ils utilisent pas mal pour gérer les événements d'utilisateurs. Parce qu'il vous permet d'assigner des stratégies au début de votre consommation d'événements. Oui, d'écrire du code fonctionnel, c'est bien joli. Ça nous permet de ne plus utiliser des états changeables, mutables. Mais quand on code avec une code base qui est legacy, on a des états. Effectivement, on a des états, on va gérer ça. En Elixirva, pour faire ça, vous devrez peut-être remballer des objets dans votre fonction de transformation. Comme on le fait dans n'importe quel stream au final. Un autre point, c'était la création des observables. Ça, c'était pas du tout évident pour moi et je peux pas dire s'il est encore. De comment on crée, il y a au moins 4 façons de créer des observables tout simples. Et derrière, c'est assez obscur de comment ils sont traités différemment. Je vous ai montré le just, mais la partie defer que je vous ai montré qui fait au final une exécution asynchrone, ou encore une create qu'on peut passer à une lambda et faire des opérations. Je ne peux pas dire que je maîtrise les différences entre ces différents patterns pour créer des observables, au final qui créent des éléments. Peut-être le dernier point que je peux parler, quand vous faites un breakpoint au milieu et vous regardez le stack, ça passe de plein d'endroits, c'est assez difficile à débugger. En échange, vous gagnez si vous voulez gérer des erreurs. Vous pouvez un peu gagner sur la gestion d'erreurs parce que ça vous permet d'assigner à chaque événement une stratégie de gestion d'erreurs, comme je vous ai parlé. Prochainement, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de... vu que ça va réduire en nombre de lignes et complexité la taille de notre orchestrateur, au moins on espère, on va pouvoir implémenter plus facilement les stratégies comme Circuit Breaker. Je ne sais pas si vous connaissez le concept ou pas. En gros, c'est pour dire, j'appelle des services en réseau, des appels réseau, je peux, en utilisant cette mécanisme, ce pattern, assigner des stratégies de s'il y a trop de time over, s'il y a trop d'erreurs, qu'est-ce que je fais derrière? Est-ce que je les coupe? Est-ce que je les appelle plus? Est-ce que j'utilise un cache qui me retourne le résultat? Ces différents choix de gestion de SLA, ils peuvent être permis avec le circuit breaker qu'on va essayer d'implémenter. Et du coup, Gilles, il ne va plus avoir besoin de regarder le Slack pour nous dire il faut couper tel web service. On a déjà un bon niveau de monitoring là-dessus. Souvent, ce qu'on fait, on notifie les assureurs avant qu'ils savent qu'ils ont un problème. Souvent, c'est nous qui disent, regardez, il y a tel web service qui répond mal, qui est en time over. Vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'on fait derrière. On ne sait toujours pas quel serait l'impact sur notre orchestrateur, sur ce composant. Le fait d'appliquer différentes politiques que je vous ai parlé, donc utiliser un pool de traits global, utiliser le buffer au début pour ne pas perdre des requêtes, tout ça c'est à voir et c'est à bencher, donc oui, il faut bencher les performances aussi. Les premiers essais, ça ne montre pas trop d'overhead
comparé à Complete Tool Feature. Et de toute façon, le fait qu'on attend fait un appel bloquant, ça nous rajoute déjà une overhead dans notre système actuel. Et puis, il y a ce bouquin qui est assez intéressant, et en plus, il y a des furets dessus, qui est pas mal écrit, et je vous conseille, si vous êtes intéressé avec Elixir Java et toutes les notions de stream réactive, il y a un parti pour les développeurs Android aussi. Moi, je n'ai jamais développé en Android, mais l'aspect gérer des événements de façon asynchrone, ça m'intéresse. Et puis, c'est assez récent, c'est sorti en octobre 2016. Et les codes de test, ils sont disponibles dans notre GitHub à côté de tous les projets qu'on a open sourcé. Vous pouvez les regarder. Et puis, si vous avez des questions. Ouais. J'en ai une. Du coup, vous n'utilisez pas Netty pour justement supprimer les pools de thread pour... Je lui laisse répondre. Non, du coup, on est encore en Tomcat avec Blocking.io là-dessus. Non, mais pas pour les entrées de votre site, mais pour faire des appels de service, parce que c'est là où ça pose problème, en fait. Ah oui, derrière le back-end, qu'est-ce qu'on fait Parce que vous appelez des back-end, du coup, vous avez des threads qui gèrent Ouais. En fait, aujourd'hui, c'est la partie la plus legacy du système, parce qu'en fait, on a... on a jusqu'à 5 ou 6 ans d'historique là-dessus, et c'est une quantité de code vraiment très forte. On a, je crois, 60 assureurs, non, je connais pas le chiffre, à peu près. Voilà. Donc, en fait, moderniser ça, c'est un travail vraiment important. Et après, on a une grande disparité de ce qu'on rencontre en face. La couche de transport en soi est toujours HTTP. On n'a pas d'autres pas qu'on en ait d'autres. Non, on a toujours des HTTP. On a des mécanismes de notification par SMS, mais bon, c'est pas. C'est un énorme travail de se rattaquer à la modernisation de cette partie-là. Voilà. Et encore, si tu n'as pas la notion de callback, ou bien si tu vas encore bloquer ton thread pour que tu attendes le résultat, si la requête que tu réponds il n'est pas en asynchrone, le fait d'utiliser Netty ou bien une NIO derrière, ça n'a pas beaucoup d'intérêt non plus. Je pense pas. Non. Ouais. Notre espoir, c'est vraiment d'essayer de trouver des trucs un peu plus malins par exemple d'arriver sur l'exemple qu'on montrait initial de time over, de se dire est-ce qu'on pourrait pas plutôt qu'il y ait deux utilisateurs qui aient trois réponses et un qui n'en ait pas, est-ce qu'on pourrait pas arriver à ce que les trois ils en aient deux. Parce qu'en fait, faut se remettre ça en monnaie, quoi. Le mec à qui on n'a rien affiché, il part, il ne reviendra jamais, quoi. Et si on lui avait donné quelques réponses et un peu moins aux autres, peut-être qu'on aurait augmenté un peu notre business. Et puis l'autre chose que tu n'as pas mentionné, c'était... On travaille sur des appels de web service qui en général sont plutôt avec des temps de réponse de la seconde voire plus. Oui. Ça... Donc en fait, c'est pas du high frequency trading. Ouais, ouais. Donc, ce serait très rentable justement de supprimer le thread d'appel HTTP, puisque du coup, tu n'aurais plus besoin d'empiler des threads. Tu pourrais faire une requête en parallèle avec un seul thread. L'économie, elle n'est pas nécessairement sur le thread. En fait, notre contrainte principale, c'est de garantir de garantir qu'on restitue une offre à l'utilisateur au bout de... je sais pas, arbitrairement, je crois que c'est 7 secondes max aujourd'hui, je crois. À peu près, ouais. 10, enfin, je pense que c'est à peu près 10 secondes. Et en fait, c'est surtout de... À partir du moment où la personne déclenche une comparaison, nous, on veut garantir qu'on lui donne la meilleure réponse possible au bout de 7 secondes,
quel que soit l'enfer derrière. Voilà. Et on cherche un peu à ce que, d'un côté, on ait du code qui soit de bonne qualité, que les assertions dans le code et les garanties de delivery et de SLA soient implémentées de la meilleure façon. Et puis, de l'autre côté, qu'on ait ce qu'on disait sur la partie circuit breaker, que quand il y a quelque chose qui déconne, spontanément, le système il réagisse aussi correctement et qu'il ne s'amuse pas à empiler les appels. Puis après, il y a cette notion que tu as juste mentionné de dire on a des appels qu'on veut qui soient plus prioritaires, parce que ce sont des appels qui déclenchent de l'achat, en gros, on veut à tout ouais. prix qu'ils aboutissent indépendamment des autres. Et on n'a pas encore le formalisme global de l'ensemble, en fait, en programmation réactive, il est assez dur à obtenir. Ouais. Merci. Ouais. Est-ce que j'ai trouvé une des possibilités pour avoir les avantages de la programmation réactive et en même temps garder certains aspects d'un code legacy, c'est de passer par des acteurs. Tu as mentionné Kstream, est-ce que vous avez regardé En Kstream, je n'ai pas du tout regardé. C'est un des points que prochainement, justement, je vais regarder Vertex à Kstream. Vertex, il y a toute la partie gestion des streams qui a l'air un peu intéressant. Et Akastream, justement, il permet. Les acteurs. Oui, ça, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que ça nous rajoute vraiment. Encore, je n'ai jamais utilisé les acteurs, je ne connais que les concepts. Est-ce que ça nous rajoute quelque chose en plus que ce que j'ai? Ce qu'on a au codebase, je pense pas. Non. Ça permet de packager un peu du code métier dans des classes qui ont du sens, là où tu te retrouves avec beaucoup de lambda et des choses un peu difficiles à sauter dans le code. Quoi. Je trouve que notre code il est assez bien structuré à ce niveau avec le service. Ce qu'on n'a pas, c'est justement la partie où on gère les ressources. D'accord, on a une code legacy, mais qui est assez bien séparé avec le service. Même si de droite à gauche, il y a des appels de services bizarres qui sont faits. C'est assez cloisonné, surtout du côté endpoint assureur. Je ne sais pas si on a vraiment besoin de cloisonner ce parti, en fait. Aka apporte la distribution et le réseau. Ouais. Et ce n'était pas forcément notre but, puisque nous, en fait, on travaillait au sein de même JVM. Spontanément, on n'a pas regardé spécialement sur Aka, parce qu'en fait, on travaillait dans le même memory space. J'imagine qu'ils évoluent régulièrement. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a assez peu d'API réactifs qui implémentent correctement cette notion de traitement avec SLA. Je ne sais pas aujourd'hui où ils en sont, mais en tout cas, en fait, c'est je te rends la main, même si ce n'est pas terminé au bout de tant de temps. Et ça, c'est quelque chose qui est assez central dans notre système. Enfin, je vous ai donné un peu le case. De toute manière, on jettera un coup d'œil aussi là-dessus. Mmh. Cette presse, vous avez eu la primeur. On vous en remercie. Ouais. C'est pas une porte fermée sur Aka. A priori, spontanément, on n'est pas allé voir Aka. Principalement aussi parce qu'on n'était pas l'aspect distribution qui est présent dans Aka en fait n'était pas la partie qui nous intéresse. Je pensais à cette même question aussi, mais j'allais compléter en demandant, en voyant tout ce qui était présenté, les streams et la partie traitement asynchrone, est-ce que ce cas-là est envisagé à un moment donné comme langage de remplacement de tout usage Java? Ça. Encore, j'ai. On peut parler de ça deux semaines après. Rebelote, quand on a une code base de 500 000 lignes en Java, on peut imaginer utiliser ce cas-là aux frontières.
probablement qu'un des endroits où on utilise déjà, mais en fait c'est pas industrialisé, mais on fait des essais avec Scala, c'est sur les traitements Spark. Mais de là à se lancer dans de la réécriture, je pense que déjà un, on n'en ressent pas réellement le besoin, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on en dise, programmer en Java 8, ça réduit considérablement le gap entre Scala et, ouais. et Java. Aujourd'hui, c'est moins évident de quitter Java que ça pouvait l'être il y a 4 ans par exemple. Où en fait, spontanément, on avait l'impression qu'il y avait beaucoup de langages qui étaient plus modernes que Java. De mon point de vue, c'est après, tu as le droit de ton avis aussi. Hein. Je pense que chacun a son histoire personnelle. J'ai pas. Il simplifierait peut-être sur la syntaxe, sur les unités, mais c'est vrai que ça sera pas beaucoup. Et après, on a fait un effort considérable pour suivre le mouvement et moderniser notre code base en utilisant massivement les strings, par exemple. Ouais. Et l'autre gros morceau, dont c'est pas le sujet ce soir, mais en fait, un des trucs les plus difficiles qu'on a fait dans notre système, c'est de bannir l'usage de Java Util Date, de tout passer en Java Time API sur 1 million de lignes de code, c'est l'enfer. Parce que, mais au final, si je peux vous conseiller de le faire, enfin, je peux que vous conseiller de le faire, parce que ça, on a gagné une qualité de traitement sur les dates qui est incroyable. Par contre, c'est un effort, un tiers de la code base qu'on a repris ligne à ligne, et c'était vraiment dur. Mais par contre, c'est derrière nous, et alors c'est un peu bête parce que Ozan, il est arrivé, c'était déjà fini. Ouais. Et il a pas, c'était genre 2 ans de, 18 mois de transition, quoi, où on avait les deux et on modernisait à peu près package par package, quoi. C'est vraiment la guérilla dans du code, quoi. Mais une fois que c'est derrière soi, c'est que du bonheur, et je pense que j'ai corrigé trop de bugs hyper chiants avec Java Util Date. Pas vous conseiller de le faire, même si c'est dur. Je vous propose qu'on continue à discuter. Ouais. Merci. Merci.